Voici 3 000 $. Aujourd'hui, j'allais poser des questions à des personnes et à chaque bonne réponse qu'on me donne, je donne 20 $. Et si tu es capable de répondre à mes 10 questions sans erreur, ma gang, je donne 1 000 $, mon gars. Let's go. So, aujourd'hui, je suis avec Michael, 50, Garvins, Dimitri, Antonio, Scotty. Il faut que je dise mon vrai nom ou faut non? En vrai? Donne ton nom de la rue, c'est correct. Le nom de ma rue? Non. Si tu avais 1 000 $ aujourd'hui, qu'est-ce que tu achèterais avec? Je pense que je le donnerais à ma mère. Ah, c'est dans le cœur. Ah, c'est dans le cœur. Je suis le Mr. Beast du hood. Et l'argent d'aujourd'hui, bah, elle est à sa mamie. Sur la première question, il y a combien de continents en Afrique? Écoute, les continents, c'est une balle de pays, là. Yeah. Écoute, en Afrique, il doit y avoir... C'est 55... 0. C'est un continent. Comment 0? Ben, c'est l'Afrique, c'est un continent. Ben, c'est un continent, l'Afrique. Ben, il y en a... C'est pas que c'est un continent. Il n'y a pas plusieurs continents. Un. Ben, l'Afrique, c'est un continent. T'es sûr? Je pense qu'il est sûr, t'es sûr là? Ouais, ben c'est 55 pays. 55 pays? Ouais. Mais c'est combien de continents? Ben, 55 continents. T'as le Ghana, t'as Nigeria, t'as le Côte d'Ivoire, t'as le Cameroun. Combien? C'est impossible. Comment c'est impossible? Combien de continents en Afrique? Ouais, bon. L'Afrique, c'est un continent. T'es sûr? Yeah, l'Afrique, c'est un seul continent. Demain, on fait good. Moi, je te dirais un, non? 5. 1. Mais pourquoi tu me regardes confus comme ça, frère? Comment 1? Combien de continents en Afrique? Ouais, peut-être. Bon, l'Amérique du. Pas l'Amérique au fond. Pause, coupez. T'as le. Botswana, t'as Éthiopie, t'as. Comment ça s'appelle? Pas de continents. Ouais, ben c'est ça. Il y a juste 5 continents. Hein? Il y a juste 5 continents dans le monde. 5 continents? Ok. Question numéro 2. Épelle ton nom. S-C-O-T-T-I. Ah non, attends. Vite, j'ai répondu trop vite. Oh shit. A-N-T-O-N-N-U-O, je crois. Tu sais pas comment écrire ton nom, frère? Non, bro, j'ai oublié. Non, parce qu'il y a juste des questions pièges, souvent. Hein? Belle ton nom. Shifté. Non, ah. S-T-I-V-E-R-N-E. Répète. S-T-I-V-E-R-N-E. Uh-huh. S-A-M-Y. M-A-R-C. M-A-R-C. OK. M-A-R-C. OK. OK, Marc. N-O-M. Ton nom, c'est non? Tu parles italien? Non, malheureusement. C'est quelle autre langue que tu parles? Je parle bulgare. Bulgare? Oh, shit. That's nice. Tu veux dire un bail? Dans mon gâcheton. Il a dit abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Shout out, bro. Yo, t'es un bon. Ah, j'ai on a fait comme ça. Ouais, comme ça. Épelle mon nom. Épelle ton nom. G-A-R-V-E-N-S. Ah, merde. Ah, oh, vas-y. Hey, là, c'est pas encore fini. Attends. Mon nom ou mon prénom? Épelle ton nom. Mon nom. Ton nom. Mon nom de famille. Ton nom. Mon nom de famille. Juste épelle ton nom. Ok. R-O-M-O-N-D-T. S-C-O-T-T-I. S-C-O-T-T-I. Scotty. Yeah. Comme Scotty Pippen. Yeah. T'as des bons moves de basket? Je me débrouille, Vas-y, monte un petit cross. Nah, bro. Qu'est-ce qui monte mais ne descend jamais? Oh. Réfléchis. Mais je suis trop bonne pour ça. Attends, je le sais. Ah, le gaz. Le gaz. Yeah. Yo. Le temps. Wesh, c'est tellement pas stupide comme réponse. Je peux demander à ChatGPT. Glisse un indice. Il y a un escalier roulant. Ouais. Tu dirais l'air. Yeah. Comme l'air chaud, le chauffage. Yeah. Mais c'est vrai que ça descend, ça monte, mais ça descend pas. Make sense, ok. L'évaporation. Waouh, ça c'est un gros mot, ça. Science secondaire 2, ça. Wesh. Qu'est-ce qui monte mais ne descend jamais, c'est ça? Yeah. L'âge. Pour de vrai, je pensais pas y aller sortir la bonne réponse. Ah les gars, c'est chaud ça. C'est chaud? En passant, t'as quel âge? Moi, j'ai 20 ans. Ok, mais quand même, pour un gars de 20 ans, t'as quand même d'aide jusqu'à maintenant. So, y a qu'est-ce qui monte, mais ne descend jamais? Moi, je vais dire l'âme. C'est l'âme. Quand tu meurs, ça monte au paradis, ça descend jamais. T'as l'air de quelqu'un qui fait des péchés, tu me parles de sa montre là. Moi, je fais des péchés, non? Non?
Jesus is king. Amen. Say it louder. Jesus is king. Amen. 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 So, est-ce que tu connais qui est le sponsor d'aujourd'hui? Je sais pas c'est qui. Ok, t'es honnête, c'est ça qui compte. So, le sponsor d'aujourd'hui, c'est... C'est des mises au jeu? C'est pas stupide, il y a un partner, il m'a dit c'est BET. Si tu follow sur Instagram, je te donne un extra $20. Je suis bet. Yeah. Ça a dit? C'est un bet. C'est un bet. C'est un bet. Moi, je t'ai jamais... Ça bombe. Ciao. Pas bien. Toi qui regardes la vidéo à la maison et qui se dit « Ah, moi, si j'étais là, j'aurais pu répondre à toutes les questions comme du monde. » T'as envie d'avoir $500? I got you. Si tu vas sur mon profil et tu cliques le lien dans ma bio et que tu te fais un nouveau compte, tout l'argent que tu vas mettre jusqu'à $500, je le double. So, si tu mets $20, tu vas recevoir $20 gratuit. Si tu mets $500, tu vas recevoir $500 gratuit de mes poches. Et si tu as déjà un compte si bête, utilise le code MELV. I got you, man. Le Mr. Beast du hood. Quel mot est écrit incorrectement dans tous les dictionnaires? Mais il y en a aucun, t'es cool. Parce que, genre, le dictionnaire, tu sais, tous les mots corrects, non? Ouais. Oh! Oui, mais ça peut être une pointe. Tous les mots sont écrits correctement dans le dictionnaire. T'es un mec qui lit le dictionnaire? Non. Fait qu'est-ce que tu sais? Ben, quand je vais chercher un mot dans le dictionnaire, c'est ça là, c'est le dictionnaire, la ressource, mon cher. Ouais. C'est là que je sais que le bail est bien écrit. So... Sur tes genres de panettes, sur la chat GPT, un word, bro. Wesh. T'as pas l'air d'un mec qui lit un dictionnaire, par contre? Non. Non, hein? Je lis pas les dictionnaires. Ok, ok. Quoi, je peux phone a friend? Ouais, tu peux phone a friend. Lilia, tu sais quel mot dans le dictionnaire est jamais écrit comme il faut? Quel mot est écrit incorrectement dans tous les dictionnaires? Incorrectement. Cool. Parce que le mot qui est écrit incorrectement, c'est incorrectement. Incorrectement. Espérons qu'ils sont pas incorrects. Ok, sur là, voici $20. Tiens. Là, t'as le choix. Ok. On va faire crash. Et dépendant de combien de fois le multiplier va monter, si ça monte par exemple à 5 et tu décides d'arrêter, je te donne $100 à la place. C'est bon ça? Oh shoot. Tu vois, je te laisse une deuxième chance. Je suis gentil comme ça. C'est quoi les 5 premières lettres d'alphabet? A, B, C, D, E. 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 Cool. A, B, C, D, E. Bien, yeah. Ça s'arrête à E, pas E, F, G. Non? Les 5 premières lettres. Les 5 premières lettres? Yeah, redis ça. A, B, C, D, E, F. En tout cas, c'est des questions tellement stupides. Je sais pas si j'ai les bonnes réponses, mais ok. Moi, je vais devoir gagner, frère. Moi, je vais devoir win. Mais si j'arrête là maintenant, je gagne. Si t'arrêtes là maintenant, je te donne juste 20. Mais si tu réussis à monter à 2, je te donne 40. Faut juste pas que ça crash. Ok, j'arrête moi. Ok. Tiens pour toi là. C'est quoi deux trucs que tu ne peux pas avoir pour déjeuner? Un steak. Et puis du poulet. Une pizza. Des pâtes. Des pâtes? Ok. Du riz. Si tu mangeais pas le soir, ta mamie te faisait pas manger ton souper en déjeuner? Oh, ma mamie, elle me faisait ça, hein? Non, pas moi. Bon. On peut tout déjeuner, en fait. On peut tout déjeuner? Ouais. Toi, c'est quoi ton déjeuner préféré? J'en ai pas, je mange de tout. Yeah. J'en ai pas préféré. Moi, c'est les œufs. Les œufs? Ouais, les œufs avec une petite salade là à côté, puis un bacon. La lasagne, la soupe. La soupe? Un céréal, c'est techniquement de la soupe? Produit dur avec un liquide. Bof. Attends, qu'est-ce que tu vas manger pour déjeuner? Yeah. Le dîner, souper, mon chat. C'est pas ça? Ah, le dîner et le souper. Deux trucs que tu vas manger pour déjeuner. Dîner, souper. Dîner, souper. Ça marche? Ok. S'il avait pas arrêté, ça c'est encore le même crash. Il est rendu à fois 26. C'est allé jusqu'à là. Si un singe, un écureuil et un gorille font une course au top d'un pommier, qui va arriver à la banane en premier? Un singe, l'écureuil, l'écureuil. Moi, je dirais le singe. Bro. Et pourquoi l'écureuil? Parce que ça grimpe bien les arbres. C'est vrai que c'est quand même agile. Mais toi, tu penses que c'est le singe? Pourquoi c'est le singe? Il est quick. Parce qu'il aime ça, les bananes, hein? Un singe. Tu penses que c'est le singe? Ouais. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est le singe? Je sais pas, il grimpe aux arbres, donc c'est plus vite. Un gorille, ça grimpe aux arbres aussi? Je sais pas, moi. Non? Ils aiment les bananes. Ils aiment les bananes? Oh.
Tu sais quoi, c'est pas stupide. L'écureuil. Pourquoi l'écureuil? Il est beaucoup plus sourd parce qu'il grimpe de partout. Ok, puis le singe, il pourrait pas être plus rapide, il est un peu plus long? Non, pas nécessairement. Non? Pas nécessairement. T'as quelque chose à rajouter? L'écureuil. L'écureuil for real? Ok. Le singe. Le singe, pourquoi le singe? Ça sonne, je sais pas, ça sonne raciste de dire que c'est le singe. L'écureuil, tu vois, il est petit et agile, mais le singe, frère, long bras. Quatre bras, il monte, il est déjà au top. Le gorille, il va juste pas monter. Ouais, le gorille, il est lourd, là, on s'en fout de lui. Okay, gorille, il va frapper, puis il va attendre le bananes. C'est pas stupide. Yo, pour d'arrêt, j'aime. Ok. Mais le singe, adore les bananes. Les. Ah, mais c'est un pommier, il y a pas de bananes. Oh! T'es trop smart. Yo, la seule fois que t'es intelligente, c'est où on en a besoin. Il y en a aucun. Pourquoi? Ben, il y a même pas de bananes. Ah, la banane, ben ça se fait pas, bro. Tu me parles de pommier, tu me parles de banane. Des pommes et des pommes, de bananes, ça s'accumule ensemble, non? Ben non, tu me dis, si tel animal court en haut dans un pommier, qui va avoir la banane? Il n'y a pas de banane dans un pommier, de un. Il n'y a pas de banane, c'est un pommier. C'est un pommier. Je vais même pas te passer dans bêtises, là. Tu ramasses 5 personnes au premier arrêt. Au deuxième arrêt, 2 sortent. Et au troisième arrêt, 7 personnes rentrent. Quelle est la couleur de cheveux du conducteur de bus? What the fuck? C'est quoi cette question-là, bro? Ça fait même pas de sens. Mais tu m'avais pas posé la question au début. Tu m'avais pas dit de couleur. Je peux pas te donner de couleur. C'est toi qui conduis le bus. Ah, c'est noir. C'est noir mes cheveux, bro. J'avais juste pas entendu le début. Ils sont noirs, le chauffeur, il est noir. Brune. Mes cheveux sont noirs. Ok. C'est moi qui conduis l'autobus. C'est toi qui conduis l'autobus. Ok, les cheveux sont noirs. Ok, toi, c'est... Ok. Blanc. Il n'y a pas de cheveux. C'est nul, les conducteurs. Moi, je vais assumer les choses, on va dire. Enlève ta calotte 2 secondes. Je prends la calotte, mon gars. C'est chaud. T'as pas de chasse? T'es chaud? On n'a pas de chasse. Les cheveux sont pas bien, là. Tiens, tes gars disent dans le vide. T'as vu quoi, ils disrespectent? Non, ils savent. Merci, oui, c'est... Tu vas faire quoi avec ce cob-là? Mettre du gaz. Yo, les temps sont durs. Mais vous avez vraiment de laisser partir avec tout cet argent? Ouais, ben... Genre comme ça? Frère, tu penses que mes vidéos sont fake? Ceux qui les font, c'est parce qu'ils sont des fake. Moi, je suis pas un fake. So, vas-y, frère, fais ce que tu veux avec ton argent. Pars loin de moi parce que là, ils vont penser que je reprends l'argent des mains des personnes. Je suis pas comme ça, frère. Bon, actually, avant, là, j'ai même pas fait ma miniature. Tu peux m'aider pour ma miniature? Comme si... C'est bien. Yo, shout out, mon gars. Yo, c'est plaisir, mais c'est pas à moi que tu dois faire shout out. Moi, je suis juste le distributeur. Yo, shout out, Sibeth. Vous êtes des bons, les gars. Merci pour l'argent. C'est mon plaisir. Hey, mon compte en banque. Hey, commencez à marcher, fait que là, le monde savent que je prends pas l'argent. Là. Ils vont penser que je prends l'argent. Vas-y, bonne journée, les filles. Mais tu sais comment ils sont contents. C'est pour ça qu'il faut remercier. Parce que moi, je suis juste redonné, frère. Ouais, ben yo, malheureusement, personne n'a fait le 1000$. Je vais juste changer les questions pour que ça soit plus rapide parce que je suis le Mr. Beast Dude. Staka mentality, mon gars, staka, ouais, j'aime ça.